cette fois pour ce camp, la mission c'était surtout de faire une petite fabrication. Du coup, hop, on a dormi sous tente. Vraiment le grand luxe à l'ancienne, comme dans les premiers campings. C'était vraiment cool. En tout cas, il a fait bien chaud, c'était très bien. J'ai pris quelques haches pour faire du lancer de haches. Et apparemment, bah, je suis assez doué, genre. La monstre blague. Tac. Le plan, c'était principalement de pouvoir s'allonger puis chiller au soleil. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, il fait froid, il n'y a pas du tout de soleil, donc ça fait. Pourtant, je l'avais bien orienté plein sud. Donc nique ça. Et voici le beau cul, le plus beau cul des bois, ou peut-être la plus belle bite des bois. Oh oui, voici la belle bite. Voilà. Donc pour cette fabrication qui est pas encore tout à fait finie, là on voit qu'il manque encore quelques petits étages. Après, par-dessous là je vais renforcer. Hop, un tripode, comme d'habitude, comme pour faire la bouffe, etc. Et à l'intérieur, donc trois tiges qui partent, tac tac tac, faire le truc pour poser le bip. Donc voilà. Là, il manque plus que le dossier à faire et puis quelques petits supports et puis elle est belle, quoi. Hein, au coin du feu allongé ou au soleil pour bronzer. Petit sage du dossier, clic clac clac. Hop, et puis depuis derrière, tac, kamak, tout bien. J'ai l'impression de faire du shibari dans les bois, quoi. Enfin, du shibari sur bois.